Hey, salut les dresseurs! Allez, bienvenue dans ce nouveau live! Nouveau jeu qu'on met en place avec Tikwi et Tricker! Bonjour à toutes et à tous! Et bienvenue sur le premier épisode des Hunter Games! C'est bon, tu peux parler, t'as... Ouais, salut, salut! Il a avalé sa bouchée de Monster Munch. Ouais. On passe la petite vidéo règle? Ouais. Bienvenue aux Hunter Games! Ce tournoi inédit mettra en jeu le titre extrêmement convoité du meilleur chasseur. Il se déroulera sur Pokémon Let's Go. 10 niveaux de difficulté. Chacun de ces niveaux correspond à une zone dans le jeu. Dans chaque zone, les chasseurs se verront attribuer une cible, un Pokémon à trouver en Shiny. Et cette cible, c'est vous qui la choisissez. Chaque Shiny capturé rapportera des points. Plus un Pokémon est rare, plus il rapporte de points. Si un Shiny pop avant la fin de la chaîne initiale, il rapportera un point bonus. Si le Shiny cible est trouvé, le chasseur passe à la zone suivante. Un indésirable capturé rapportera aussi des points, mais n'étant pas la cible, pas de niveau suivant et chaîne brisée. Mais attention, si c'est le Pokémon combo qui pop en Shiny, capturé ou pas, il fera perdre beaucoup de points aux chasseurs. Durant 6 lives, vos youtubeurs vont s'affronter pour marquer un maximum de points. A la fin, des points bonus seront attribués aux plus avancés dans les niveaux. Qui saura devenir maître de ce tournoi et sera élu meilleur chasseur? Pour le savoir, rendez-vous dans l'arène. En avant pour les Hunter Games! Est-ce que vous êtes chaud patate là au moins? Ah bah on est déter, moi je me suis entraîné. Enfin disons que j'ai fait plein de thunes, moi je suis bourré de thunes là. Alors pas moi, mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai plein de bols, plein de parfums là, on est au taquet. Ok, ouais, je suis prêt à manger du lion, on va trouver du shiny aujourd'hui. Et n'hésitez pas à soutenir votre youtubeur préféré, hein. Je veux voir des Team Tikwi spammer dans tous les chats là. Mais Team Tricker, on est là, je compte sur vous, hein. Je crois que je vais partir sur un Pikachu pour ma part, hein. Les votes s'envolent pour Pikachu, donc pas le plus facile du tout. Mais il rapporte 5 points, donc voilà. Mettez-lui un petit truc bien difficile. Mettez Pikachu. Eh non, mais faites-moi un Chétiflore. Franchement, Chétiflore, ça me va très bien. Les gars, non, donnez-lui pas ce qu'il veut. On est là pour une compétition, ceux qui sont la team. D'ailleurs, chez Tiflore, on notera qu'il est même pas sur l'écran, mais bon. Eh ben, il s'avère que je pars sur un Pikachu, moi aussi. Du coup, c'est terminé, ça va partir sur Pikachu pour ma part, comme toi, Davy. Ça va être la compétition, et Maël, un petit mystère. Eh ben, allez, let's go, la chasse commence, c'est parti. C'est parti, la chasse commence. Oh là, ça commence direct. Enlève-moi, ça se plaît pas trop. Ça va être chaud, les amis. Ok, et Justin qui nous fait bon courage à vous deux, mais Team Davy, eh bien merci beaucoup à toi, merci Justin. On va te prouver que t'avais tort, mais mais pas de problème. Non, c'est marrant, c'est bien, choisissez votre camp. Ouais, là, choisissez qui votre camp. Je... Davy, il a de l'avance parce que nous on doit paramétrer tout pour deux personnes, voilà. Yes. Et pourquoi t'as deux mystères? Oh là là, bah c'est toi qui bon, a fait. Bon, moi j'y pars, hein. Remets-moi mon écran. Moi je suis pété de thunes, moi j'ai fait le plein de bowls et de parfums. Alors, il y a un autre truc qu'on a Pikachu, pas Pikachu vu. Je vais, ça c'est une technique pour. Vas-y, toi, t'es insupportable, toi. Ouais, grave, je suis archi. T'as pas mis le Pokémon à chasser. Oh, c'est vrai. Je suis tellement parti en speed en vrai. On va le mettre tout de suite. Au dernier moment, c'est ça qui est fort. D'où il y a plus de Pikachu dans la zone que de mystère. Bah, franchement, moi, Pikachu, vous m'avez régalé, les frérots. La Team Tikwi, je suis contente finalement. Non, mais d'où il y a pas de mystère? C'est quoi ça? Ça fait 10 minutes, j'ai mis un parfum max. Ah, bah, c'est du vert dans le vert, ça se voit pas beaucoup. Hein. Non, mais il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. C'est un scandale. Je sais pas combien de dévies il est de sa chaîne là. Mais il a Shiny Lock, ma version. Ah, mais le Shiny Lock. Hein? Quoi? Mais non, mais c'est le deuxième, putain, merde. Il se fait bolosse par tous les mystères, Bill. Ah, c'est bon, c'est bon. Il se barre sous ses. C'est bon. On est relancé. Alors, à combien la chaîne de Pikachu? Je vais te dire ça. Je me rappelle plus. Je viens d'attraper mon 7ème, mais on a perdu un peu de temps là parce que. Je suis à 9. Ah, ouais, c'est ça. T'as commencé un petit peu avant, je pense. Que nous, fallait mettre les Pokémon à droite, à gauche. Okay. Ah ouais, mais tu sais, même moi, ils m'ont dit que t'as pas mis le Pokémon à chasser. Je suis ah oui, mince. Et là, je me dis ah mais mince, sur le let's play, j'ai même pas programmé l'image, tu sais. J'ai perdu du temps à aller chercher le truc et tout. Non, Marine fait tu perds du temps. Fait oui, je sais. Ah, c'est pareil. Emmaël, il avait fait un mauvais paramétrage et dès que je changeais le truc à gauche, ça changeait c'est aussi celui moi. À droite. Donc on chassait tous les trucs. Je vois que de. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont l'un contre l'autre aussi là-bas. Ah oui, bah oui, ouais, oui. Y a aucune cohésion chez nous. Y a aucune cohésion. Chat, moi, à la rigueur, je préfère Davy gagne que Roman. Moi, je le dis. Hein, C'est le fou. Bah. Ouais, ils sont l'un contre l'autre là-bas. Ils sont en train de se bouffer le nez d'ailleurs. Mais on peut se fight. Arrête, ils bouchent les yeux.
Toi, tu vas tomber sur un Bulbizarre et Bill moins 3 déjà. Il va être à moins 3. Ah, le Bulbizarre, il me fait peur. J'avoue, moi aussi. Si on tombe sur un Bulbi et qu'on est à 0. Bah, moins 3. Ah, bah oui. Eh, Bulbizarre, il suffit de pas le dire que tu l'as mis en génie. Si, 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 on le voit, les abonnés, ils vont pas le dire. Hop là, moi, je passe vite ta zone. Non, non, mais ils vont me vendre, je le sais. Il y en a qui vont me vendre. Observez bien la Team T-Quick, hein, s'il y a des shiny indésirables chez les autres, là, je compte sur vous. Et c'est quoi ce retournement de veste, là? C'est interdit, ça. Je lui ai dit, tu vas soutenir la Team Tricker, c'est une erreur, et tu comprendras en grandissant. C'est interdit, ça, Jérémy. Il a grandi en 2 minutes et il s'est aperçu de son erreur. Merci, Jérémy, en tout cas. Je suis outré. On va les troll. Premier shiny. Non, c'est pas vrai. Oh, le coup. Oh, il m'a fait un... Là, je me suis déjà vu dernier, là. Je me suis vu dernier en l'espace de 2 secondes. Vous voyez tous nos rêves de victoire nous échapper. Mais par contre, petite question, est-ce qu'un petit random qui pop, est-ce que tu vas briser ta chaîne pour un petit chenipan par hasard? Je pense que oui. Ah ouais, tu iras? C'est... Ouais, il vaut mieux prendre un point plutôt que de rester 3 heures et finalement à la fin se dire mince, le seul point que j'avais, je l'ai laissé passer. Ouais, c'est un risque à prendre. Je pense que je le prends, ouais. C'est une technique. On verra laquelle paye le plus. En vrai, la chaîne, elle met que 30 minutes, donc je pense que je le prends. Ouais, ah, c'est pas peut, une des chaînes les plus compliquées. Hein. Imagine, t'en enchaînes deux là direct, bim. Let's go. Eh, côté Roman et Maël, votez team jeune estime. là, tu vas pas récupérer nos soutiens comme ça, là. Eh, on est à 30. On est à 30, les amis. Marine, elle est maligne. Marine, elle dit, en vrai, tu t'arrêtes à 30 et t'attends le 31ème shiny pour le point bonus. Mais bon, si je fais ça, le taux de shiny, il est plus bas. C'est un gros risque, hein. J'ai une question. Est-ce que si le Bulbizarre shiny pop avant la chaîne de 31... Ça fait un moins 4. Ah, ça fait un moins 6, c'est doublé. Oh, regardez! On a un premier shiny, les amis! On a un premier shiny, on capture! On perd pas de temps, c'est plus 3 points, ça. On capture! Premier shiny, mais c'est pas un Pikachu. C'est vrai? Ouais, Crisacier. Oh, c'est un plus 3, ça! Ouais, c'est un plus 3. Oh, c'est bien! T'as de la chance, à la vache! Oh là là, on vient de nous dire, on vient de nous dire que tu venais juste de finir ta chaîne en plus. À tout moment, il arrivait avant la chaîne et ça faisait un plus 4 quoi. Ouais, j'avoue, c'est dommage. Bien joué. Faut l'attraper pour avoir les points, attention. Hein. Tu nous c'est dis fait. Quoi il est attrapé. Il vient de rentrer. Ah bah écoute, okay. On va te donner tes points. Davy, il est à plus 3. Je capturais pendant que je vous parlais et il vient de rentrer. Ok, les amis, on est reparti pour faire une chaîne de Pikachu, c'est parti. Oh la vache. On a pris une avance de 3 points. Bah là, la c'est Team Tricker et la Team T-Quick sont fébriles. On sueur. Ça a été tellement vite chez les du côté des Team T-Quick. On va avoir pop des teams Davy partout maintenant, ils vont tous te soutenir. Surtout Crisacier, c'est vraiment un coup de bol, hein. J'aurais pu tomber sur Chenipan un peu. Bah ouais. En plus, il est bien visible, donc du coup... Oui, pour le coup, il était méga visible, ouais. Quoi. Bon, il a pris une sacrée avance, là. C'est une bonne opération, parce que plus 3, déjà, ça fait beaucoup de points, ça fait autant que mon mystère. Mais par contre, du coup, en plus, s'il chope le Pikachu rapidement durant ce live, il serait déjà à 8 points, quoi. Ouais, ça serait énorme pour lui. Mais il avance pas. Après, il avance pas, donc en soi, allez, Pikachu, ah, Valentin, il soutient la meilleure team. 31, ça y est, ma chaîne est terminée. Bon, arrête de me faire peur, là, je me suis déjà vu dernier. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de crier 31, mais c'est juste, je viens de finir ma chaîne, finalement, j'ai pas de shiny, mais Maël a eu très peur. Il a eu peur alors qu'il est à côté de toi, il est tellement sur son écran, c'est ça? C'est ça, il est concentré. Je vois trop Maël penché sur la Switch en mode... Ah ouais, là, j'ai... Il est sans rien passer, rien. Ah, j'ai l'œil à gauche, là. Allez, les amis, on continue, on lâche rien. Ils sont où mes Pikachu? Il y en a plus. Un petit shiny avant la fin de la chaîne, là, ce serait tellement un cadeau, ça, encore. Mais bon, faut pas trop en demander. On a déjà eu beaucoup de chance avec le Crisacier, qui est arrivé très très vite. Ah, ok, on en a 2. On va commencer par toi. On en a 3. Allez, la mystère, bah, tu fais quoi, frère? Davy, j'ai perdu toute mon avance, là. Je suis sûr, il a grave, tout fini sa chaîne plus, de 31. C'est ça, le problème, là, c'est que, du coup, Davy prend trop d'avance. Bah ouais. Merde. Enfin, quoi que ça se trouve, il va galère pour avoir le... Tout ce que je lui souhaite d'ailleurs. Moi aussi, tiens, et là, on est bien d'accord, c'est que moi la paluche. Ah, allez. Oh putain, je m'avais foncé. Eh, c'est quoi? Au pire, si on perd, c'est ce qu'on fait. On s'habille. On s'habille, au final, on fait. Bah, la chaîne, c'est quoi? C'est petit quick tricker, bim, on aligne au point et hop. Attends, avant de parler d'alliance, calmons-nous. On fera ça. En attendant, j'ai pas envie de tuer. Eh, vous savez quoi? Si vous suivez les deux lives là, allez sur le live de Davy. Et allez lui dire, oh t'as loupé un shiny, faites-lui un coup comme ça, mais dites-lui pas que c'est un raid de nous. Non, dites, putain, mais il y avait Pikachu shiny. Pikachu shiny, du lead, GG, Pikachu shiny. Ouais, dites-lui GG. GG, shiny, dites-lui ça, il va paniquer de ouf. GG le shiny? Où ça le shiny? C'est un troll ça, avouez, vous essayez de me troller. Il est où Pikachu shiny? Vous l'avez vu où?
Mais vous l'avez vu où? J'ai pas vu de shiny. Troll de petit quick. Ah, bien vu. Ça vous aide tellement à l'avoir écrit que j'ai eu peur. Bande de vilains. Est-ce que tu as cru un petit peu ou pas? Oui, j'ai cru. J'étais tellement à l'écrire pour une fois que je me suis dit quoi? Mais non. Merci. Et j'étais en train de refaire toute la zone en me disant mais non, c'est pas vrai. Merci. T'as fini ta chaîne ou pas? Je suis à 22. Ah, ça aurait été beau en plus peur. Avec le plus 1 et tout. J'aurais dû m'en douter au fait qu'il y ait une trentaine de personnes en plus depuis tout à l'heure. Merci, ils ont bien suivi le raid, va bouger. On va capturer Pikachu Shiny, les amis, avant la fin de la chaîne, on va mettre 6 points. Si c'est ça, moi j'arrête de jouer tout de suite. Mode rage. Mode rage activé tout de suite. Allez, c'est notre 31ème Pikachu, malheureusement on marquera pas le point bonus. Mais on a fini notre chaîne. Et du coup, on va peut-être marquer 5 points assez rapidement, c'est ça qui est cool. J'imagine bien, tu sais, le Bulbizarre Shiny, l'autre il s'en va du genre, je l'ai pas vu. Non, il était vert, comme les autres. On se disait avec Mel que ce serait très très fort que tu tombes sur un Bulbi Shiny maintenant, pour que tu perdes toute ton avance. Non, déjà ça serait horrible. Ça serait merveilleux, tu rigoles. Ce serait le pire troll du jeu, quoi, ce serait horrible. Incroyable. Le retour à zéro, quoi. Ah bah là, la défaite, c'est... quoi. Ouais. L'ascenseur émotionnel pour le... On a peur du Bulbi, hein. Avouez, vous le aussi Bulbi, vous avez... ouais. Moi je fais pas la technique de rentrer sortir de la zone, trop de risqué. Mais... Moi je vous écoute pas moi, je fais ça moi. Tant pis, je prends le risque, j'aime. Ah oui, il rentre... Oh, Chenipan Shiny. Non, mais il s'envole. Si, Chenipan Shiny. Mais c'est quoi cette chance? Bon, et ça il a pris qu'un Chenipan. Point de plus. Mais c'est un point, est-ce que voilà, tu l'attrapes? Chenipan les amis. Tu oui, je l'attrape, je brise. Ah, ouais, brise ça, c'est risqué, c'est risqué. T'as imagine derrière, quoi, imagine avec un Pikachu, il serait à 9. Oh, bah il est foutu. Ouais, c'est ça. Bon, l'avantage c'est qu'il est toujours bloqué. T'es toujours bloqué, hein, c'est bien fait. J'avoue. Bon, bah tu allez, me dis si tu l'as attrapé, on te rajoutera le point. Chenipan Shiny, les amis, c'est pas un Pikachu, mais ça tombe. Il faut profiter tant que ça tombe. Hop là. Allez, go. On va marquer un point parce que je pense pas qu'il ressortira, je vais surveiller quand même. Voilà. C'est bon, il est capturé, le petit chenipan, c'est confirmé. On est en train de se moquer en mode, ah imagine, il s'échappe pendant qu'il l'attrape et ça lui brise sa chaîne. En vrai, le nombre de chenipans que j'ai attrapé, ça serait c'est tellement quasi impossible qu'il sorte. Ouais, ouais, non. Franchement. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Le truc, il est plus que vert, quoi. Il devient une autre couleur, quoi. Est-ce que t'es inquiète, Roman, là? Non. Non, moi non plus. On est au premier épisode. C'est à la fin qu'il va y avoir de la tension. J'ai entendu parler. Oh, Shiny! Non? Oui! Oui, il est Shiny! Putain! Shiny Pikachu! Shiny Pikachu! Ah, c'est vrai! Ah, il est là, faut que je l'attrape maintenant! Attends, ah, GG! Arrête, Maël! Casse-toi, il met sa main devant ma tête! Le rate pas par contre, parce que tu vas avoir le méga. Allez, seul. Pikachu! Tu mets une bœuf rambidorée hyper beau, là, j'en ai rien à foutre! Eh, direct, il nous fait son animation de fuite là! Non, arrête! Tic Quick, elle va marquer les 5 points et changer de zone, les amis! Oh là là, et c'est encore la popopole position de la défaite! Il est attrapé, plus 5, ça y est, je prends la tête de la course! Et elle change de zone en plus! Ah, et je change de zone, je passe à la zone 2. Eh, 5 points, félicitations, tu passes devant du coup. Et ouais, merci, hein, merci beaucoup. J'ai hésité, je l'ai vu, je voyais des petites étoiles, je fais shiny, je comprenais pas, j'étais pas sûr de moi. Ouais. Il était là, il était bien shiny. Ah, ça me fait plaisir. Je vais vous faire une petite remontada là, vous allez pas la voir venir. Il va nous trouver un Papillusion ou un Dardarnian là. Oh, Dardarnian. Et moi, tous les coups, je change, hein. Et si j'ai pas de shiny là ce soir, je vous promets, la prochaine fois, je fais une chaîne de Papillusion. Le tout pour le tout. J'avoue. Allez, si on trouve le Pikachu en vrai, on creuse clairement l'écart en passant devant avec 9 voire 10 points si on arrive à le trouver avant la fin de la chaîne. Voilà. Kevin qui nous dit, t'inquiète pas Maël, tu es d'un diesel, tu mets du temps à démarrer, mais après tu carbures en gros en toi. C'est fou ça. J'en ai marre, je me fais bolos par un mystère. Le vainqueur est Onyx avec 59 votes. Oh là 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 là. Eh bah c'est parti pour Onyx. Au Mont Sélénite, hein. C'est Mont Sélénite, hein, la deuxième zone. Ah, c'est pas le plus facile par contre là. Bah non, ils m'ont pas gâté, hein. Moi j'aurais dit un petit racaillou, soyez sympa, on prend de l'avance dans les zones, mais non, Onyx, c'était Onyx ou Rhinocorne. Ou Osley aussi, voilà. C'est plus la chaîne qui va être un peu relou à faire, après ça ira. Alors, pourquoi il n'y avait pas Mélophée? T'es sûr que c'est le mont Sélénite? Ah, c'est peut-être le mont la Grotte Sombre, hein. Tu saoules, hein, Maël. Alors, bah attends, parce c'est que... C'est la Grotte Sombre. Attends, parce que moi, il y a peut-être du Shiny qui pop, hein. C'est pas ma priorité, hein, ta zone. J'ai du Shiny qui pop. Attends. T'es quick est dans le mont Sélénite. Non, c'est pas le mont Sélénite, c'est la Grotte Sombre.
Arrêtez de dire n'importe quoi. Roman, tu es dans quelle grotte? Parce qu'il y en a qui me disent que t'es dans le Mont Sélénite. Alors, j'allais aller à la grotte sombre et Maïl m'a dit prochaine zone, c'est le Mont Sélénite. J'ai commencé à chasser au Mont Sélénite. Non, le vilain. Non, mais il s'est trompé lui-même. Il a rien compris aux règles du jeu. Il fait non, mais on fait dans l'ordre. Il n'a pas compris les règles du jeu. Ça fait 3 mois, on en parle tous ensemble. Lui, il n'a pas compris. Non mais c'est 10 secondes de gagner. Là, il me demande où est-ce qu'était la grotte sombre. Je lui ai dit je suis pas obligé de te le dire. Donc je lui ai pas dit. C'est bon. Comme ça, il perd encore du temps. Je suis arrivé. Oh là là, comment il est pas fair play. Ah non mais attends, je suis dernier hein, faut bien que concentre-toi plutôt pour trouver des shiny. Bah elle il fait des croche-pattes et tout, ça rigole pas. Ah ouais, moi je suis un fourbe. Moi le fair play ça ne me connaît pas. Le fair play ça ne me connaît pas. Je veux dire quand Maël il va avoir le shiny, tu vas l'entendre jusqu'en Guadeloupe mais pas grâce à TeamSpeak hein. C'est il va hurler tellement fort que bruit au loin là. On est sur la chasse des Hunter Games. Les Hunter Games tout de suite. Hunter Games. On est où, Roman? Au Hunter Games. Les Hunter Games. C'est un générique grave beauf, tu sais. Grave. Utile, si. Oh, shiny, yes, mister. Oh, à la bim. On y va. Allez, go. Allez. Il m'a fait peur. Allez, on capture direct. Oula, j'ai lancé un peu trop loin ma vol. Il a Mister. Ouais, c'est Mister. Ah, GG, il a tellement dit et bim d'un coup que j'ai sursauté. Le temps que j'appuie sur le push to talk, il avait déjà crié 3 fois. et c'est capturé, donc mettez vite mes 3 points. Allez, GG, tricker. Bon, bah, du coup, hein, on te laisse à la forêt, Jade. Salut, Davy. Hein. Ne vous inquiétez pas, je prends plein de points et après je vous rattrape. Ah, on verra. Aïe, je me suis cogné, on va prendre la vole. Du coup, Maël marque 3 points. Yes. Et ouais. Passe à la zone 2. Yes, on va aller faire les votes là. Oh là, Onyx. Pourquoi ça vous va... mettez Onyx? Parce que t'as pas de bol. Tu vas galérer, t'as pas balles. D'argent. Tu vas devoir faire la les j'ai arènes. Des balles. T'as pas suffisamment de Rhinocorne, allez, je veux Rhinocorne. Rhinocorne, allez, ouais. Team Tricker, là il faut retourner sa veste. Là il faut partir sur du Rhinocorne, je veux pas Onyx. Pas de Onyx, s'il vous plaît. Il reste combien de temps? Pas de Onyx. Allez, là, faut retourner. Pourquoi vous votez pour Onyx? J'en veux pas de Onyx, moi. Ça remonte. Quoi, ça remonte? Oh, il reste 30 secondes. Allez! Oui! Non, les gars! Allez! Point d'exclamation, vote 4! Yes, c'est bon, ça va le faire. C'est bien. La team quick, point d'exclamation, vote 4. Non. Eh, remontez. Vote 3. Point d'exclamation, vote, espace, 3. C'est voilà, 4, c'est comme 4, sur Secret 4, Story. Allez, 4, remontez. 4, oui, 4, allez. Fais un 4. Allez. Un 4. Oui, c'est bien, très bien. On reste comme ça, c'est bientôt fini. Non, c'est terminé. T'as de la chance. Ça m'étonnerait. Davy, je t'écoute. Ce sera un rhinocorne pour moi. La bataille était très très rude parce que en fait le Onyx était parti on ne pouvait plus l'arrêter quoi, il est parti tellement vite. Mais les votes se sont totalement inversés parce que j'ai demandé à Rhinocorne. Il a sondé les gens, il les a suppliés. Ah ouais, il les a influés. Grave influé parce que alors pourquoi? Parce que j'ai pas énormément d'hyperbole ni rien et du coup je me dis que c'est le meilleur moyen. J'aurais galéré. J'aurais vraiment trop galéré. Donc c'est parti pour Rhinocorne qui pop plus souvent je trouve. Donc Et il y a une chose que je peux vous dire dans la grotte sombre parce que ça m'est arrivé souvent. Prenez garde au Salamèche. Salamèche, moi aussi je l'ai eu. Je l'ai eu alors que je le voulais pas, Salamèche. Je l'ai eu 2-3 fois aussi, je crois. Oh, il y a 3 Onyx dans ma zone, il y en a pas. Tu m'as fait très très peur. Non, mais attends, 3 Onyx dans la même zone, c'est incroyable. Mais j'avoue que même moi elle m'a fait sursauter. Pardon. J'ai cru qu'elle avait eu le Salamèche quoi. Non. Pardon, je m'exclame pour pas grand chose. C'est pas grave, moi, ça m'a impressionné. Putain, j'ai cru qu'il y avait un shiny, c'était kangourou. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut prendre une attaque que dalle, t'apprends rien du tout, frérot. Oh, j'ai tellement cru qu'il était shiny, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait il a un peu la couleur du rhinocorne. J'avoue, il a. Ah, j'ai tellement cru, parce qu'en fait il pop pas souvent que. Oh là, si tu pop Kangourex, t'es dû à mon poké préféré. Ce faux espoir. J'avoue, c'est bizarre. Si Kangourex pop en shiny, c'est 10 points. Ah, tu vas agresser. Allez, c'est le moment de faire croire à Maël et Roman que tu as un papillusion shiny. Ah ouais, c'est vrai. On fait ça ou pas, les amis? Oui, ok. Allez-y, commencez à l'écrire dans leur chat, ceux qui y sont là. Commencez à écrire que j'ai trouvé un papillusion. Et moi, je le fais juste après. Commencez à l'écrire. Tu fais tellement le plan. Toi, tu m'énerves. Papillusion shiny! Non, tu mens. C'est vrai, je mens. j'ai eu peur. Maïl, il est tellement cru. On nous a dit que t'avais eu un bulle bizarre, c'est pas vrai? Non, j'ai pas eu de bulle bizarre, non. Ouais. On t'as gagné un bébé shiny, par contre, j'entends. Hein? Oui, vous l'entendez? C'est ma petite. Ah, c'est vrai. Je l'ai pas. Je gâche tellement mes hyperboles, c'est un scandale. Allez. Courage, Maël, courage. Il m'en reste plus que 4. Il va devoir aller faire les arènes pour avoir l'argent. Non, j'ai plein de superboles. Allez, petit shiny.
Pourquoi on n'a pas de shiny, les amis? Allez, on est passé dans la dernière heure. Je suis en train de voir, là. Ça va changer, là. Tout va changer, maintenant. L'heure de pause est terminée. En vrai, ce serait tellement cool, ça. Vous imaginez deux shiny d'un bloc, Pikachu et un autre. Tant que c'est pas Bulbizarre, hein. C'est Bulbizarre, c'est la dèche, mais... Il a fait l'animation de suite? Non, mais en fait, du coup, il l'a... T'es un fou, toi. Mais oui, pourquoi t'es resté, Maël? Il a fait l'animation mais parce de suite. Que... Mais parce que après, il a refait sa... son animation normale. Bah, et alors? Bah, du coup, ça l'annule. Bah, pas du tout. Une fois qu'il a fait l'animation de suite, ça veut dire je me barre. Pourquoi t'as continué? Est-ce que je tente le kangourex? Oh là là. Davy. Je suis là. Tricker a perdu sa chaîne de 31. Il voit l'animation de fuite, mais il décide de persister à lancer une boule et le Ryokan s'est enfui. Il était à 31. Il était à 31. Non, j'étais à 28. Ouais, bon. Presque. C'est bon, je la refais vite. Oh, j'ai déjà plus d'hyperbole. Ouais, bah, il a plus de boule, du coup, c'est la tristesse du joueur. Ah là 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 là, quel coup dur pour notre concurrent Maël. Déjà qu'il est pas aidé par sa chance, et en plus il commence à mal jouer. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle hécatombe. Maël n'a plus d'hyperbole, il est devant. Il a plus de superbole dans quelques minutes. il peut tenter le tout pour le tout, hein, le s'enchaîne. Hein. Ah. Le s'enchaîne, il va rester là longtemps. Sur un coup de bol, ça peut, hein. Non, mais va faire des arènes, Maël. Mais non, je perdrai trop de temps. Bah, vas-y, fais ce que tu veux, moi, je ferai des arènes. Mais bon. Sinon, go poké en double Joy-Con, hein, c'est tout, hein. Ouais, tu peux faire ça. Super Bowl, hein. Ah, tu peux tenter ça, j'avoue, le double Joy-Con, on n'y a pas pensé. Ouais. Bon, bah voilà, c'est trop dur. Bah, merci, hein. Bon, tranquille, je vais la refaire rapidement. Lâche rien. Allez, Roukoul, laisse-nous tranquille. Il faut pas qu'on perde de temps, il nous reste 53 minutes pour réussir à changer de zone. Bon, du coup, Maël, il s'est mis vraiment en galère, donc je pense que Maël n'est plus un concurrent dangereux pour aujourd'hui. Par contre, si Roman, elle trouve son Onyx, là, elle creuse l'écart. Là, elle creuse l'écart, elle passe 3ème zone, elle a plus de points. Là, ça devient dangereux. Avion, il est là ou pas? A-t-il vu mon message, Clémence? Mais putain, d'où il est parti? Il a pas fait d'animation de fuite! Ou alors je l'ai pas vu. Ah non, mais coup dur quoi, mais mec, qu'est-ce que. Putain, merde! C'est bon! Clément, ça a été déjà sponsor aussi. Attends, et vraiment, il a fait une animation de fuite ou. J'ai pas regardé moi. Attends, mais c'est pas possible là d'être big le pas. MDR. Tricker a encore brisé sa chaîne, no fake. Ah ouais, c'est vrai? Apparemment, Maël a encore brisé sa chaîne, les amis. Ah là, décidément. C'est bon, désolé. Maël, c'est tu bon. As brisé ta chaîne encore. Ouais. Non. Il fait mais il a pas fait son animation de fuite. Ou alors je l'ai pas vu. coup dur. Oh, Maël. Ouais, non, mais c'est pour le point bonus. C'est pour le point bonus. Je le refais tant que j'ai pas le. Les 31, il veut avoir le avant les 31 pour le point bonus. Il s'est dit, je vais mettre un peu de piment. Je vais rester à 3 points. Je te laisse revenir un peu dans la course, Davy. Si t'es devant moi. Je suis au-dessus de toi. MDR, c'est un fou. Heureusement qu'on lui a pas donné Onyx, hein, parce que franchement, il serait là depuis jusqu'à la fin de la série. Bah... Sans hyper, en plus, il aurait jamais pu aller jusqu'au bout. Jamais. Ah, la prochaine fois, il faut vraiment que je fasse plein de thunes, quoi. Elle est finie cette chaîne d'Onyx d'ailleurs ou pas? Ouais, depuis un petit moment. Hein. Et final, il va tomber sur un salamèche en faisant sa chaîne. Et là, ça sera fini. Ça serait drôle. Probable. Allez, on redescend. Tralala, ça. C'est que de la lumière, ok. J'ai cru qu'il y avait un shiny, j'ai vu la lumière sur l'herbe, là, ça faisait vert flashouille. Mais j'ai eu peur, parce que je me suis dit, attends, vert flashouille, il y en a que deux, c'est Mystère ou Bulby, quoi. Et je me dis, pas Bulby, s'il te plaît, pas Bulby. Non, c'était pas un shiny, ça va. Petit Pikachu, viens par ici. on y croit. C'est la folie qui commence à m'atteindre. Pourquoi je trouve des trucs sauf lui? Non, pourquoi Bulby, tu popes sous mes pieds? Non, arrête. Je vais me taper un Bulby shiny, ça continue. Ça va, il est pas shiny. Putain, Davy, il reste 30 minutes, il est toujours à Forêt Chat, quoi. On va aller lui parler un petit peu. Davy ! Je suis là ! On n'a pas de shiny. Ouais, je l'ai entendu tout de suite à tonton, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire ? on se disait juste qu'il reste plus que 25 minutes, là, et ouais. T'es toujours à ta Forêt Chat, finalement, c'est triste. Oui. Le non mais t'inquiète, j'attends le dernier moment moi. J'attends le dernier moment, ah là là, je suis un mec comme ça moi. Il te troll énormément quoi, c'est fou. Ouais, il veut pas venir. Mais le pire c'est que je suis compétitif dans les points, hein, mais j'arrive pas à trouver celui que je veux. On va voir les amis, on va trouver notre Pikachu, on va prendre la tête de la compète comme ça. On lâche rien. Allez, petit shiny, on
compte sur toi. Viens par ici. Mais il a poli mon porte. Je crois que ces 3 heures sont trop de pression pour moi. Oh, un shiny! Regardez! Un shiny co-confort! Un shiny co-confort! Et il avancera donc jamais! Sérieux? Je capture! 3 points, ça vaut le coup! Bah ouais, 3 points, il a raison! Il repasse devant tout le monde! Bah ouais! C'est pas vrai, je vais pas réussir à. Mais je les ai jamais vus en shiny, ces deux-là! C'est aujourd'hui! Bah ils sont là, c'est cadeau, ils arrivent pour les Winter Games! Co-confort! Et c'est quoi le prochain? C'est Papillusion ou quoi? Ah non, calme-toi quand même! T'as pas abusé, mais. Shiny co-confort, quoi. GG, du coup, tu passes à 7 points. Tant d'indésirables. Ouais, 7, c'est ça, exactement. Ouais, ah, là. Mais punaise, c'est fou que t'es autant d'indésirables, toi. Enfin, c'est vrai que t'es un peu abonné. J'ai que ça. Non, mais moi, je suis champion pour ça, ceux qui me suivent sur les lives. Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. On est en train de capturer, je vous dis ça. Tu vas avoir Pikachu dans le 6ème épisode. Eh, c'est bon, il est dedans. Allez, on valide nos 7 points. On prend la tête au niveau des points, mais on reste dans la forêt de Jade, décidément. Ah là là, on va pas y arriver. Mais bon, c'est bien, 7 points, arrive dans la forêt de Jade, grave. Tu pars bien. Et il cumule. Au cas où, j'annonce, le but n'est pas de capturer tous les Pokémon de la forêt avant de sortir de la forêt. Le Bulby, il rapporte pas de points, lui. Je capturerai tous les Pikachu de la forêt, jusqu'à ce que je tombe sur le Shiny, parce qu'il restera que lui. Voilà. S'il faut en arriver là, eh ben j'en arriverai là. Hein? Ouais, là tu touches une. Shiny, une autre sur Apti. Oh, Shiny, tu vas l'attraper? Ouais. Attends, il veut combien de points? Putain, c'est moi. Il veut combien de points? Un point. Un point? Tu veux ou pas? Shiny. J'y vais, je le prends. Qui a eu Shiny? Moi. Mais il a eu un Osferapti, hein, calmons-nous. Mais comment ça se fait que t'aies eu un Shiny, toi? T'as combien dans ta chaîne? Non, il est à 31. Non, t'es pas à 31. Ah, t'as un point bonus? Non, t'es à 31. Non, je viens d'avoir les 31. Oh, je viens juste de les avoir. Dommage. Ah, la douille, tu viens de perdre un point, dommage. Mais il l'attrape, il le tente quand même, le Nosferapti. Ouais, et c'est capturé, du coup c'est 4 points. 4 points pour Tricker, il remonte. Il reste 7 minutes 30 et Tricker nous sort un Nosferapti de nulle part. C'est pour moi que je le prends d'ailleurs. Bref, du coup GG Maël, 4 points pour le briseur de chaîne, on va l'appeler comme ça, Tricker le briseur. Félicitations à Maël qui marque un point mais qui reste quand même. Ça me surprend d'ailleurs qu'il l'ait pris. Vous aviez l'air de dire que c'était pas une bonne idée de Chenipan, mais finalement il prend son point quand même. Hein. T'as vu quand on l'a devant les yeux. On hésite quand même, hein. Je le prends parce que je me dis que de toute façon il y a personne pour moi. Et puis autant maximiser un peu de points, voilà, tranquillement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi Onyx, je brise pour rien au monde, hein. Pour un Kangourex, c'est tout. Après oui, c'est clair, c'est qu'un point. Non, Kangourex, je pense que tu la brises. Ouais. Kangourex, je brise direct, mais là. Oh, pour un petit salamèche. La salamèche, il va me briser la tête et tout, mais il va me briser mon score. Allez. Voilà. Excellent. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon. Allez, jusqu'au bout, on lâche rien. Jusqu'au bout, on lâche rien. 30. On va finir notre chaîne à temps, mais en vrai, il va nous rester 2 minutes 30 pour trouver un shiny. Il est là, le 31ème. Il va nous rester 3 minutes, les amis. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un shiny en 3 minutes? 1, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ah, il va rester 3 minutes pile, quoi. Allez, on quitte. Voilà. Allez, Pikachu, c'est le moment. C'est ton moment, Pikachu. On croit en toi. Allez, pop. Il y a 3 minutes, ça va très très vite, 3 minutes. 1 minute 30. Oh là là, nous on a lancé le chrono un peu avant, donc il nous reste 50 secondes, c'est vraiment moins d'une minute. Vite, un dernier rhinocorps, vite. Voilà, bah moi je fais mes... Je dirais quand le mien se termine. Ok. Je dirais quand le mien se termine. On commence ça, on finit en même temps. Let's go. Est-ce que s'il pop, j'ai quand même le droit de l'attraper, parce que tout moment, si j'attends dimanche prochain, il va fuir. S'il pop avant la fin, oui. Ok, merci. Voilà, le temps de capture sera pas comptabilisé, mais s'il pop avant la fin. C'est gentil, merci. Vite. Bon bah bonne chance à vous, hein, les gars. Rhinocorne. Allez. 57 secondes. Let's go. Je reste connecté pour la dernière minute, là ça rigole plus. Let's go, hein. Non, je me suis fait agresser. C'est fini pour nous, voilà, on a le go qui est apparu. Je viens d'attraper mon dernier rhinocorne. 2, 1. Terminé. Terminé les amis, le temps est écoulé pour aujourd'hui. Je vais mettre pause sur le jeu. Ouais, parce que là si un shiny qui pop, ça serait un peu triste. Hop, voilà. On met pause. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu chasses plus, hein? Arrête de chasser, c'est bon.
Mais voilà, merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Davy. Et puis, on se retrouve avec du coup dimanche prochain, encore une fois de 20h à 23h pour l'épisode 2. Tout à fait. Voilà. Yes. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'était bien cool, ça met une petite pression en vrai. J'ai moi, bien aimé. J'aime bien, ouais. J'aime bien. Mais c'est vrai que ça rajoute une certaine pression parce que quand je vous ai vu là tous les deux avoir vos shiny, je me suis dit, wow, mais attends, mais déjà qu'ils avaient des plus 5 de base, donc des plus rares que moi, je me suis dit, non, mais c'est bon là. C'est bon. Là, je démarre direct avec un handicap, c'est pas possible. Non, mais c'est sympa, c'est sympa. Du coup, bisous à tous ceux qui sont sur le live de Davy. On se retrouve dimanche prochain et on espère que ça vous a plu. Bisous à toi également, Davy. Et peut-être qu'on se retrouve. Bisous, Roman. Bisous, salut, Maël, communauté de Davy. Bonne soirée. Rendez-vous dimanche prochain. Et bonne soirée à vous tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Salut, communauté de Roman et Maël.